Si vous aimez la course automobile, en particulier la Formule 1 et les 24 heures du Mans, restez avec nous pour ce nouveau numéro des passionnés. Qui êtes-vous, Jean-Michel ? Alors, moi, je m'appelle Jean-Michel Bidot. Je suis né au coin de Saint-André-Goulouin. C'est un mot, là où nous sommes ? Exactement, à la maison même. Je suis à la retraite depuis 7 ans, bientôt. Je travaillais dans la menuiserie industrielle au Brosil, chez Elvan. Vous faisiez des volets roulants, je crois. Volets roulants, oui. Voilà. Vous avez une famille ? Oui, je suis marié, j'ai 2 filles et 4 petits-enfants. Bon, vous avez toujours finalement habité dans le coin, hein, ici, Saint-André-Gouldois, oui. Travaillé au Brésil, oui. Pas très loin. Né à la maison. Vous êtes bien ici ? Oui, je me sens bien. Mes copains sont à Chavagne. Alors, si nous sommes venus à votre rencontre, c'est parce que vous êtes passionné de sport automobile, de course automobile. Et ça, c'est un univers qui vous passionne depuis quand ? Depuis l'enfance, peut-être ? Depuis l'âge de 7-8 ans. Ça a commencé avec, peut-être, comme beaucoup de petits-enfants, de petits-garçons, des collections de petites voitures, ou pas ? Des petites voitures. Et puis, à 7-8 ans, j'écoutais les 24 heures du Mans à la radio. Il n'y avait pas de télévision à la maison. La nuit, je prenais un petit transistor et j'écoutais les 24 heures du Mans en direct. Et le premier magazine que j'ai eu sur les 24 heures du Mans, c'est un de mes oncles qui avait été aux 24 heures du Mans en 66 et qui m'avait ramené ce magazine. Ça m'a bien marqué, ça. Et ça ne vous a jamais quitté ? Non, jamais. La première fois où vous êtes allé carrément au Mans pour assister à la course des 24 heures, là, c'était déjà il y a assez longtemps. Et depuis, vous y allez tout le temps, d'ailleurs ? Toujours. Et la première fois, c'était en 74. Ça va faire 50 ans au mois de juin. Avec des gens qui étaient plus vieux que moi, parce que j'avais 17 ans, j'avais pas de permis, forcément. Des gens qui étaient plus vieux que moi, puis qui ont été sympas, qui m'ont emmené. Et la grosse surprise, en arrivant aux 24 heures du Mans, c'est que tout ce que j'avais imaginé en écoutant la radio, eh ben c'était exactement ce que j'avais devant moi. C'est fou, mais c'est exactement ce que je voyais, en vrai. Et après, ben j'ai toujours été... Voilà. Vous avez réalisé un rêve en y allant, vous avez toujours poursuivi chaque année. Sauf depuis 50 ans, sauf 3 fois quand même. Parce que je ne veux pas mentir. En 80, je me suis marié le 13 juin, la veille des 24 heures du Mans. Mais alors, pourquoi avoir choisi cette date ? Puni. Bref, c'est un problème. En 77, avant, j'étais à faire mon service militaire. J'étais pas en France, donc... Pas trop le choix. Mais j'étais en Allemagne, pas pu rentrer. Et puis en 2020, ben, c'était avec le Covid, c'était à huis clos, donc on peut y aller. C'est les seules fois que j'ai pas pu y aller. Alors, les 24 heures du Mans, chères à votre cœur, plus que les autres courses automobiles, j'entends les rallyes, mais il y a quand même quelque chose en ce qui concerne la Formule 1, vous appréciez aussi. Hein. J'aime bien les Grands Prix de Formule 1. Mais j'ai jamais retrouvé l'ambiance qu'il y a aux 24 heures ailleurs qu'au Mans, hein, une autre course. C'est quoi cette adrénaline, cette sensation ? On est proche des voitures, proche des pilotes. Quand F1, on ne l'a pas, ça. On ne l'a pas. Jean-Michel, avec cette passion pour la course automobile depuis si longtemps, j'imagine que vous avez été tenté vous-même de prendre le volant d'une voiture de sport. Bien sûr, ça me brûlait les doigts même. C'était sur le circuit du Puy d'Enfer, au Sable d'Olonne, sur une Porsche. Une Porsche Cayman S, exactement. Alors là, vous aviez quel âge ? Oh, il y a peut-être une quinzaine d'années quand même, hein, maintenant. Hein. Comme le circuit n'existe plus, de toute façon. Et après, je l'ai fait sur le circuit de Fontenay, avec une Ferrari 458 Italia. Donc vous avez mis un peu de temps quand même à sentir ces sensations qu'avaient les pilotes. Ça coûte cher aussi. Le prix de l'heure, c'est assez élevé. Alors vous avez pris beaucoup de plaisir ? Ah bah oui. Oui, puis
C'est pas pour me vanter, mais moi quand j'ai pris le volant de ça, c'était pas pour faire semblant. Hein. Vous y êtes allé? Ah, j'ai doublé tous les concurrents qui étaient sur la piste à Fontenay, un par un. Ah ouais? Ah oui, oui. Même le gars qui était à côté de moi, parce que j'étais pas tout seul, il y a quelqu'un qui est à côté. À un moment de temps, il me dit, oh, c'est pas dans le mur qu'il faut aller. Hein. On n'a pas été dans le mur. Ah, donc quand même des facilités pour bien piloter. Bon, je fais ce que je peux, mais je suis stressé. Avant de monter dedans, j'ai quand même un petit stress. Par contre, un coup, je suis assis dans le baquet, je suis pas stressé du tout. Alors, au contraire, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Puis tous mes copains de cheval, ils peuvent le dire, ils me connaissent. Ils en ont marre d'ailleurs que je parle de ça. Alors... Et madame, elle en dit quoi? Bon, on a marre. Vous parlez que de ça? Oui. Jean-Michel, merci de nous recevoir chez vous. Et on va découvrir chez vous une collection, parce que Jean-Michel est aussi collectionneur, figurez-vous, de petites voitures, de sport, naturellement. Voilà. Alors c'est parti? C'est parti. Jean-Michel, dans ces vitrines, vous possédez plus de 300 petites voitures de course. Exact, oui. Et ça, c'est surtout des voitures des 24 heures du Mans, hein, c'est ça, oui, dans cette vitrine ici. Là, c'est de la Formule 1. Il y a des voitures rares, il y a des modèles tout petits, d'autres un peu plus grands. Oui, là c'est au 1,18, les autres sont au 1,43, Michel. Et on a toutes les époques. À peu près tout. Ouais, enfin, depuis les années quoi, 60 Oui. Tous les jours, je regarde. Ouais, tous les jours? Ah, je ne joue pas avec, hein, c'est pour les jouer. Ben non. Je veux pas que mes petits-enfants y touchent. Ah, ouais. Ouais. On regarde avec les yeux. On regarde avec les yeux, ouais. Touche avec les yeux, c'est tout. La 905 Peugeot, vous voyez, victorieuse en 92, avec Derek Ruick, Yannick Dalmas et Marc Bundle. Ah, une des plus chères à votre cœur? Bah, c'est une voiture française déjà, qui a gagné le Mans. Formidable quoi. Alors, comment on obtient une voiture de collection comme ça? Je fouille un peu partout, je regarde ce qui sort. Et toutes ces voitures, il me semble que vous les avez vues en réel, en course. Ah oui, elles sont dans l'album. Alors on va même peut-être aller voir ça tout de suite, parce qu'il y a une passion qui est encore plus forte chez Jean-Michel que la collection des petites voitures, c'est les albums photos. Mmh. Et on vous voit avec des pilotes. Ah oui. Et on vous voit également poser, non pas près des paddocks, mais carrément dans les paddocks. Alors avec les pilotes ou bien avec les voitures, vous arrivez à vous faufiler, Jean-Michel, aux 24 heures du Mans, hein, surtout, pour aller au plus près des pilotes ou des voitures. Ouais. Comment vous faites, hein? Mais ce qu'il y a à nous, c'est qu'on arrive, déjà très tôt sur le circuit le matin. Vous êtes souvent accompagné de votre neveu qui a la même passion. Oui, toujours avec mon neveu. Depuis 92. Et lui, il est mordu comme moi, de toute façon. Et on arrive très, très tôt sur le circuit. Le circuit du Mans, on le connaît par cœur, de toute façon. On sait par tel endroit, ça a atterri à tel endroit, puis ainsi de suite, enfin bref. Et en arrivant de bonne heure, tout le système de vigile n'est pas mis en place. Et c'est là qu'on peut rentrer... On n'a pas le droit. Ou alors quand les pilotes arrivent, une dizaine de pilotes qui arrivent, on se met au milieu d'eux. Ils ne demandent pas les postes aux pilotes, forcément. Et voilà. Yep. Et après, Alors on vous voit ici sur beaucoup d'albums, en train de poser avec Pescarolo, avec Jackie Hicks, avec... et j'en oublie plein. Il y a Alonso, Villeneuve, des anciens, récents, Prost, bien sûr, qui est en poster un peu plus loin. C'est quoi vos meilleurs souvenirs de paddock auprès de certaines voitures ou pilotes? Une fois, j'étais au volant de la Jaguar. Je ne sais plus en quelle année que c'était, 88 peut-être là, sur la ligne de départ, au volant de la Jaguar, hein, de Martin Brundle. Par contre, il fallait toucher à rien. Hein. Bon, ça a duré 10 secondes. 10 secondes, ça a duré. Mais bon,
Et on vous voit posant avec quoi, 80 pilotes. 85 pilotes. Il y a des rencontres qui ont plus de saveur. Allez-y, très sympa. Ouais. Faut être patient, hein. Ça peut durer, on peut attendre une heure des fois, avant d'être avec lui. Comme allez-y, on l'avait aperçu, et puis il y avait la foule autour de lui. Puis il s'en va, et puis, il dit, les gars, attendez, je reviens. Un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, tout le monde est parti. Et moi, j'ai dit à mon neveu, j'ai dit, s'il a dit qu'il revenait, il va revenir. Et quand il est revenu, on était que tous les deux, avec lui. Alors, et puis il nous a invités dans son stand, et puis faire voir la voiture et tout, formidable, quoi. Mais il faut être patient. Ouais. Il faut être patient. Alors, vous pouvez voir, là, les deux plus grands vainqueurs des 24 heures du Mans, Jackie X, avec 6 victoires, et Tom Christensen avec 9 victoires au Mans. Et qui je repère derrière? Ben moi. Mais qui n'a jamais gagné le Mans, par contre. Ah non, malheureusement. ça aurait été un rêve. Ah, je rêve toujours de ça. La ligne droite des Inaudières, je l'ai fait en rêve des mille fois, la ligne droite des Inaudières, dans ma tête. Je connais le circuit par cœur. Sur le détail du circuit, je sais exactement moi, comment c'est fait. Waouh. Bon, en tout cas, merci, hein, Jean-Michel, nous avoir fait partager cette passion très, très vivante. Hein. Ah oui. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que vous aurez eu, vous aussi, le plaisir de découvrir cette passion qu'a Jean-Michel pour le monde de la course automobile. Et puis, nous, on se retrouvera, bien sûr, pour une autre émission. Ce sera toujours sur TV Vendée et ce sera un ou une nouvelle passionnée.